Et du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Masvoka, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football, qui hérite du groupe de la mort, composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Masvoka, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football, qui hérite du groupe de la mort, composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Masvoka, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football, qui hérite du groupe de la mort, composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Masvoka, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football, qui hérite du groupe de la mort, composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Masvoka, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football, qui hérite du groupe de la mort, composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi, c'est dimanche 2 juillet 2023. C'est jour exactement que Haïti pourra jouer 3e match de groupe dans Gold Cup 2023. Côté que nous avons un groupe qui n'est pas facile. Qui est la donne Mexique, qui est la donne Honduras et la sélection du Qatar. Haïti a joué le premier match contre Qatar. Nous bat 2-1. Nous perdu 3-1 contre l'équipe mexicaine. Nous justement prêt à jouer contre l'équipe Honduras là, avec justement un déficit dans ça qui gagne à avec différence de goal. Nous marqué 3 goals, nous encaissé 4 goals, nous avons différence de goal moins 1. Nous prêt à analyser
possible qualification sélection haïtienne de football là et 11 de départ jodiant contre Honduras qui bon côté parle les mêmes après deux matchs fait une défaite contre Mexique et fait un match nul contre équipe Qatar. Nous pas pour contre nous sommes avec Emmanuel Messon avec les mêmes que nous a dit bonjour. Bonjour, bonsoir Wilky, bonjour, bonsoir avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices, radio, téléconnexion. Alors, nous sommes contents pour nous venir commenter match football ça. Haïti contre équipe Honduras là et en même temps qu'a gagné un match football qui bral Mexique contre équipe Catalan côté qu'une bral analyser pour nous capable voir Haïti possibilité pour le qualifier et possibilité pour ta venir une autre équipe soit le Mexique ou bien une autre équipe pour ta venir passer pour faire deux équipes dans pour la cap pour qualifier pour les quarts de finale. Bien dit Emmanuel Messon, nous songer dans match contre Mexique et qui est sélectionneur haïtien, nous a parlé de Calderon. Il était joué avec un dispositif tactique 4-2-3-1 avec surtout une titularisation de Will Donald Guerrier qui était joué comme étant ailier gauche mais qui par moment qui était converti comme étant l'électron libre de la sélection haïtienne de football. Il y a pile critique bon côté Donald Guerrier et surtout une occasion que Donald te joigne dans match contre Mexique côté que si monsieur était collectif nous était capable même joindre ouverture score contre Mexique. Jodi an nous pour gagner 11 cap démarrer contre équipe Honduras là Emmanuel Messon. Nous pral regarder pour nous ouais qui changement que tu as supposé fait dans 11 de départ en contre Mexique par rapport à 11 que Calderon était aligné contre Mexique. Nous pral ouais justement jodi an qui ça que tu as de fait puisque jodi an nous pas gagné à l'erreur contre sélection hondurienne là. Et justement, des trois résultats dans match football, c'est victoire, défaite et match nul. Seul résultat qui pape en faveur nous, c'est défaite là, mais tout, il y a un match nul capable d'éliminer nous si Qatar bat l'équipe mexicaine. Exactement, Wilky, tant que j'en dis, nous allons essayer d'analyser pour nous qui 11 possible. Entraîneur Calderon, lui-même, t'a supposé mettre dehors. Et tant que j'en dis, avant nous aller directement dans 11 ans, on dit avec les spectateurs, depuis quelques jours, match là qui était annoncé pour 9h. Et jusqu'à présent, sous site. CONCACAF là nous c'est 9h mais sous page Fédération haïtienne de football à deux reprises il a annoncé match football là pour 9h36 mais on est pour ça yo ba le comme ça et pour 9h36 Haïti contre équipe et Honduras là et si nous rappelons bien Haïti Honduras dans Gold Cup en 2015 yo t'ai joué déjà côté que yo t'ai fait un goal partout le San songé Nazon s'il t'ai fait grand goal équipe haïtienne là. Alors, Kounyan pralé exactement dans affaires et pour nous capable ouais qui possible 11 entraîneurs Calderon t'a supposé mettre dehors devant équipe Honduras. D'abord, j'ai moi-même capable dire si m'a essayé garder performance joueur yo qui t'ai joué devant équipe m'a parlé bien de équipe et mexicaine non. En de équipe ça bon, il y a deux changements t'a fait là-dedans. Il me dit deux changements. Normalement, je vais retourner avec mon montant et Brian Alceus dans mon terrain à la place de Donne les Jean-Jacques. Pas oublier Donne les Jean-Jacques et Calfred Sinté. Deux messieurs Sayo, c'est eux-mêmes qui ont joué comme médian défensif. Et mon montant Calfred Sinté, c'est un titulaire indiscutable que lié. Pas d'intérêt pour venir retirer Calfred Sinté, je ne le dis. Mais Donne les Jean-Jacques par rapport avec performance devant l'équipe et devant équipe m'a parlé de équipe et Mexique là monsieur pas épaté pas convaincu moi du tout donc on pas commencer avec lui et puis l'autre changement m'a fait bon c'est peut-être que entraîneur lancé une pigo erreur t'a fait ou bien est-ce que c'est vinyle pas de vinyle m'a parlé de Martin expérience monsieur était dans liste 36 là mais après 36 j'étais venir les 28 moun mais monsieur pas quoi il pas dans liste 28 là donc Martin expérience je dis là monsieur t'es supposé là comme pas bien c'est unique doublure et Alex Christian Junior comme latéral gauche en de équipe là c'est dommage il pas la même pension mon temps pour Steven Séance il est capable de faire le tout mais par contre je dis est-ce que entraîneur là il a joué avec Steven Séance bien que monsieur il est toujours là en de équipe et en liste joueur qui a bien pour jouer cap jouer Gold Cup donc ces deux changements ça jusqu'à présent bon côté pam que m'ta fait en de équipe là c'est retirer dans les Jean-Jacques pas commencer avec dans les Jean-Jacques. Et puis, nous avons commencé avec l'autre monde. Bon, je ne vais pas dire l'autre parce que pas de doublure, mais seulement Martin Expérience, je pense que à la place de Alex Christian Junior, monsieur est capable de faire jouer.
Bien dit Emmanuel Merson, l'important pour que nous capable de rappeler auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision, connexion, yo. Et 11 qui était démarré contre la sélection mexicaine de football pour nous capable d'avoir une idée de qui équipe que Calderon était metté face à Mexique. Et nous avons profité l'occasion avant pour nous louer 11 là, pour avant pour nous faire une petite rétrospective de 11 qui était démarré contre Mexique là. Nous avons dit que nous saluer petit monsieur Yeda Sporio qui permet en fait nous passer yo relayer émission ça qui fait avant match Haïti Honduras là. Nous avons profité l'occasion pour nous saluer bon Emmanuel Merson qui est avec nous, donc nous sur page Emmanuel Merson qui a diffusé en direct absolu émission avant match de la sélection haïtienne de football. Calderon a joué Nangola avec Alexandre Pierre contre Mexique. Monsieur était monté avec un dispositif tactique 4-2-3-1 avec seul Pierrot en pointe. Metusalah avec Ricardo Adé, c'était deux monsieur ça qui joué dans axe défense là. Alex Christian Junior arrière latéral gauche, Akus arrière latéral droit. Milieu terrain, Jean-Claude Dabdian, c'est 4-2-3-1, tu as deux monde qui t'a joué devant défense là qui c'est Calfred Sainté qui était associé avec Danley Jean-Jacques, et puis tu as trois monde devant monsieur Sayo, et trois monde ça c'était Will Donald Guerrier, Duke Nazon avec Fabrice Picot. Et puis en attaque, tu as gagné justement Frandy Pierrot. Donc, comparativement à ou même Merson qui parlait de au niveau du milieu de terrain et gain changement qu'on t'a porté, moi-même, seule interrogation que j'ai gagné sur le milieu de terrain sélection haïtienne qui était joué contre Mexique, c'est que je n'ai pas capable de comprendre comment Brian Alceus ne fait pas blesser pour le reléguer sur le banc des remplaçants. Ça, je n'ai pas capable de comprendre. Et je n'ai pas attendu aucun journaliste qui poser Calderon une question sur soi et Brian Alceus qui pas blessé, qui pas joué contre Mexicain. Donc ça, pas capable comprendre. Et si m'ta gen chance parler à Calderon, c'est ta première question que m'ta poser. C'est ça. Et en fait, devant équipe Catalan, Alceus il va finir match. Il va finir match, remplacé par Steven Saba. Alors par contre, pour qui ça coach dans le même défait, retirer Alceus, remplacer par Steven Saba et deuxième rencontre Alceus ni souvent. Ça veut dire peut-être que bon insatisfaction exactement soit après match au niveau d'entraînement après première rencontre là, m'a parlé de rencontre contre équipe Catalan, monsieur Terino pas trop performant pour coach là, donc peut-être c'est que ça c'est une raison ça qui fait que il était joué avec Danley Jean-Jacques. Donc je dis la présence Alceus il très demandé pas seulement de moi-même mais tout par la population haïtienne. Il y a tant de présence de Brian Alceus. Est-ce que coach Jean l'a venu ensemble avec monsieur? Nous ne pouvons pas. Donc, n'a pas attendre le line-up là même sorti, puisque match à Mso Dil, il a annoncé match à pour 9h36. Alors, fédération, c'est sur la page de Mouelli. Mais, tout, sur tout site CONCACAF, c'est 9h. Match à jouer, n'a pas attendu. Parfait. Et puis, gagner l'autre ligne dans l'équipe football, ça, que nous avons essayé d'analyser. Notamment au niveau de la ligne d'attaque et ainsi que bon, qui était plus focus sur milieu offensif et ligne d'attaque. Moi-même, moi pense que deux joueurs ça yo t'as supposé démarrer jeudi. On m'a parlé de Derrick Etienne et Kennedy Antoine. C'est vrai que Derrick Etienne monsieur souvent critiqué dans jouette li, il a une capacité technique extraordinaire, si nous permettons d'utiliser le mot extraordinaire, mais monsieur Bagué finish. Sous parler de Derrick Etienne et Kennedy Antoine là, pour faire allusion avec Fabrice Picot et Donald Guerrier qui pas de place. Mais bien, on pas comprendre qui alternative que le Brel joint, il est capable songer premier match là, il était joué non seulement avec Picot, il était joué à Derrick Etienne. Tous deux nexa ont été démarré. Exact. Contre équipe Catalan. Mais deuxième match, on pas joué non Derrick. Deuxième match, pas de Derrick, mais de Pico. Exactement. Donc, monsieur crois dans Pico, moi-même, pas de problème avec Pico. Hein. Pico, monsieur, bon, monsieur techniquement correct. Moi-même, moi pas en désaccord avec choix Pico. Hein. Mais si nous sommes capables de chercher en solidité au niveau du milieu de terrain, pas de nous faire jouer Brian Alceus, parce que si nous avons Brian Alceus qui est associé avec Sainte, moi-même, garantis, bon moins Pico avec Derrick Etienne devant yo. Bon moins 4-4-2 et puis bon moins Nazon Pierrot.
moi-même deuxième match là. Ou bien, excusez-moi, ou bien on pas connaît qui modification capable de faire parce que là on parlait de Kennedy Antoine également. Exactement. Donc si on parlait de Kennedy Antoine, pour l'obliger tout le monde qui a fait les frais là. Est-ce que c'est Pico qui va l'obliger à faire les frais? Je ne parle pas de toute équipe qui est trop swell pour que trop de qui technique dans l'équipe de football ça, qui n'est pas capable d'essayer de récupérer le ballon de l'Enverdine. Et c'est ça que fait parler de Brian Alcéus. Brian Alcéus, il a la capacité pour que si il y a une erreur qui fait au niveau de la ligne d'attaque de cette équipe haïtienne, pour le récupérer vite vite et empêcher vraiment que l'adversaire là, lui atteigne une surface de réparation non, avec facilité. En fait, moi-même, moi plus sur la présence de Kennedy Antoine au lieu de comment il s'appelle le 211 Derrick Etienne. Parce que si on suit par rapport avec performance Kennedy Antoine sorti sous banc et action goal là, on dit passe goal là, c'est le même qui fait pour Pierrot. Donc là, on capable dit Kennedy Antoine n'était pas plus performant pour moi-même dans ce crasse temps que sélectionneur là lui-même était balle. Donc deuxième match, Kennedy Antoine n'y va commencer. Il va comprendre ça, qui choix coach là. Mais moi-même, pas bien depuis avant deuxième match, j'ai déjà dit, on t'a entraîneur Calderon, Kennedy Antoine, c'est lui-même qui t'a démarré par rapport avec performance que le débat dans petit bout de temps au Tébali dans première rencontre. Donc moi-même pensais que j'en dis là, moi-même de même moins d'avis pour une titularisation de Kennedy Antoine, ça pas empêché que Kennedy Antoine monte terrain, il fait seulement 20 ou bien 30 minutes et n'estime qu'il n'est pas capable de pas répondre à 40 ans, il aurait tiré. Mais s'il a confiance, continue à mettre en confiance pour qu'il est capable justement de chercher brèche là. Et là, nous avons besoin d'éléments qui sont capables de faire Kawa vite, vite sur Honduras. Jodi on pas souhaité vivre un match Haïti, côté que nous avons souffert, j'en ai souffert face à Qatar et Mexique. Tous deux matchs nous souffrons. Malgré nous battre Qatar 2-1, en nous conscient que nous souffrons dans le match de football. Mais moi-même, je te dis, et ma prouille dit encore, c'est vrai, nous sommes dit ça, je dis que dans le match devant Mexique, là, je t'ai parlé de yon monde qui vous fait jouer là. Ou même, je te dis que dans le match devant Mexique, là, pas d'intérêt pour yon monde qui vous fait jouer là pour qu'il y ait des ballons. Mais je vous dis là, devant Honduras, n'a besoin de monde qui vous tente pour qu'il y ait des ballons. Et unique monde qui est capable de faire ça, il parle l'autre monde que Steven Saba. Est-ce que Steven Saba, qu'on y a là physiquement, par contre, est-ce qu'il répond pour le démarrer match jeudi? Ça, question, ça c'est entraîneur là qui pour qu'on ait avec Saba, est-ce que Saba prêt pour le démarrer? Ouais, mais... moi je pense que choix Steven Saba, il paraît problématique. Parler de yon éventuelle titularisation de Steven Saba, je pense que peut-être il y a mon capitaine d'Odi Sala qui a envie de courir dehors. Ok. Saba, il n'est pas compétitif. Et Calderon mettait le contre Qatar, il a rien donné. Ok. C'est vrai que quand Saba il est compétitif, lorsque le gain ballon en jambe, pour ne parler vraiment, pour ne pas être plus clair dans ça que nous avons dit ensemble avec vous, quoi va permettre de plus comprendre, c'est un très bon milieu récupérateur. Je comprends ce que je dis. Mais là, il n'est pas compétitif. Attention, je comprends que Saba n'est pas compétitif. Mais par rapport avec quantité de temps Saba l'a préparé avec sélection parce que Saba t'a supposé reprendre Mambli pour être capable de venir titulaire dans l'équipe ça. Parler de titulaire et pour Saba c'est pour l'instant pas évident. Mais c'est un bagage qui est impossible. Saba il a la capacité. Exactement. Pour être capable de jouer en place de titulaire dans la sélection haïtienne non. Et mais c'est ça que mais c'est pour l'instant. Non, c'est ça que je pour l'instant, par... nous pas capable de parler de Saba titulaire mais... dans la sélection ça que nous avons là. Pour moi même parler de Saba titulaire dans la sélection ça, son fiasco. Moi même pas pour dire, on comprend pas compétitif. Pas de championnat. Club n'est pas joué. Club n'est fin joué me croiser depuis mars ou bien avril. On va dire mai depuis et Violette fin joué, mais si n'a pas un nombre de temps depuis la sélection comment s'est préparé à Floride même. Saba, il était là. Peut-être nous capable de dire environ un mois de cela. Séance depuis 7 juin. Presque un mois. Depuis que Saba l'a préparé avec sélection. Mais un mois après, presque un mois après, si tu as gagné compétitif, Saba t'a supposé répondre pour ta vie non titulaire. C'est ça. Donc, bref, nous pas prêts pour une éternelle discussion sur Saba. Saba c'est un habitué du groupe. Monsieur entraîné à l'équipe football, c'est vrai.
ou t'as une pression mayonnaise là, t'as supposé prendre normalement entre Saba et l'autre. Et en fait, il reste qui football là. Mais lorsqu'on a qui football, c'est entraîner seulement équipe à un groupe, au pape jouer championnat, au bon déficit énorme. C'est ça que vous mettez en évidence. Et on vit moins sans confiance également. Et de plus, Saba, Calderon quand même balle chance ligne face à Qatar, monsieur est rentré en cours de jeu, il n'a pas fait preuve. Li. Et ça vient encore diminuer sous confiance que les mêmes peut-être sont capables de faire tête et l'autre monde est capable de faire. Moi, je pense que parler de éventuelle titularisation de Saba dans le football, Jean-Claude Abdilan, son fiasco. Et si Calderon a titularisé Saba, par exemple, si on a 11 ans sorti là, on a Saba titulaire, pour moi-même, il y a un déficit dans le football. Ça. Et comme si on est capable de dire, il manque effectif, pas de monde. Si Saba, pas parce que me dit moi-même et pas parce que me cracher sous capacité Saba comme milieu récupérateur, son très bon milieu récupérateur, mais pour l'instant c'est pas le timing, disons, c'est pas le moment pour que Saba t'a vu en place de titulaire en deck football ça. Donc je pense que l'autre considération on est capable de faire Merson, parce que est-ce qu'on songe combien fois Haïti t'a participé dans compétition pour te qualifier, c'est pas toujours dans redi. Dernière fois c'était 2007, on t'a dit en 2007 dans la Coupe Caraïbes des Nations, premier match on perd lui. Oui, mais t'es qualifié à 6 points. Nous qualifié à 6 points, mais pas quoi là t'es gagné calcul là. Ouais, mais donc comme si m'a considéré justement et pour nous qualifier, est-ce que nous les considérations non? C'est plus combien fois ou même moi vivre en sélection haïtienne. Faut que nous tente troisième match là pour nous dire que si un tel pas bat, si nous fait tel résultat, si un tel pas bat, nous cap qualifier. Et combien de fois vivons sélection haïtienne depuis notre deuxième match nous qualifier et pas toujours dans redit pour une qualification. C'est ça ma question. Ça fait longtemps et pendant ça fait longtemps beaucoup de gens suivent un match tout pour sélection pas dans redit pour ne pas faire dernier calcul. Si ça bat, si ça fait nul. C'est tout quoi, mais pendant là-dedans, on doit essayer de probabilité non, pour qualifier. Exactement. C'est dans 6 années là. Exactement. Donc ça veut dire moi-même, génération PAM, non. Depuis que je vive la sélection haïtienne, non. Depuis nous arrivons dans une compétition, troisième match là, soit depuis notre deuxième match, nous avons été éliminés, ou bien c'est troisième match à Napton, pour nous connaître si nous avons qualifié. Et souvent, destin nous pas mais nous dans le troisième match là. On chance pour nous aujourd'hui. Là. Qualification nous en li nan men nous, destin nous nan men nous. Donc première possibilité de qualification sélection haïtienne nan jodi an qui paraît beaucoup plus évident, c'est gagner Honduras. Depuis gagner Honduras, quel que soit le résultat qui fait dans match Mexique Catalan, nous qualifier sans difficulté, sans calcul. Et pendant que tu as parlé de Coupe Caraïbes des Nations, selon recherche que me fait là, Haïti était qualifié avec même quantité de points avec Martinique. Ok. À il est allé à 4 points. 4 points, ok. Il était fait une victoire contre l'équipe et Martinique l'a débattu un goal à 0. Et puis, ça c'est, comme tu as regardé bien, c'est 4 points. Donc, on était perdu contre l'équipe. C'est 6 points. C'est-à-dire qu'il était bien qualifié. Parce que premier, il était qualifié avec 7 points et Haïti était qualifié avec 6 points. C'est ça. Nous avons deux derniers matchs. Pour le Gold Cup 2019, nous t'es passé sans difficulté. On a fait une recherche rapide sur Gold Cup 2019. Non, ça c'est très facile. Gold Cup 2019, monsieur, nous n'avons pas dit de qualifier sans problème, non, monsieur. Premier match, nous pas oublié nous avons battu Costa Rica dans un match de groupe. Pendant que Costa Rica a mené sur nous, c'est un remontada qu'on a fait. Bon, nous avons parlé d'un mini remontada. Non. Est-ce qu'on est capable de parler vraiment en fonti retourner dans le Gold Cup 2019 là? Non, n'a pas essayé chercher. Parce que pour Chida Silva, lors parler de Gold Cup 2019, est-ce que depuis notre deuxième match en 2019 nous est qualifié? Non. C'est ça. Et Gold Cup 2019, mais non, ça c'est 2021. Faut me garder rapide là pour me connaître comment ça t'est Gold Cup 2019, n'a pas essayé faire recherche là. Et pour téléspectateurs, on dit que les États-Unis, il y a mené par 4 goals à 0. Les États-Unis ont mené 4-0 là. Ouais, donc il est évident pour nous regarder ça. Gold Cup 2019. Premier match, on a joué contre Bermude.
dans match que Meshack Jérôme sorti sous blessure. Donc c'est pas évident, non? Jouer pas quoi, pas jouer États-Unis tout. C'est ça. Pas jouer États-Unis. Et il pas évident, moi-même, il m'a demandé de regarder plus loin pour Chida Silva en 2019. Le fait qu'on dit m'a été qualifié comme si sans difficulté. 4 sur 4, alors 4 sur 9. 4 sur 9. Bon, regardez moi rapide. Alors c'est 9 sur 9. C'est ça. Nous t'es passé à 9 sur 9? 9 sur 9. Nous faisons 9 points sur 9 en 2019? Exactement. Nous t'es battu Bermude 2 goals à 1. Et nous battu Nicaragua 2 goals à 0. Et puis dernier contre nous avons battu Costa Rica 2 goals à 1. Nous passons à 9 sur 9? 9 sur 9. Ok, merci en pile pour Chida Silva. Ouais, son exemple peut-être récent qui n'est pas venu dans l'esprit, non? Et ça fait l'important. Pour qu'on soit capable de gagner un ami nous qui bien avisé. Avec un peu l'attention, qui a avisé également. Donc, rectification rapide en 2019, Haïti était passé sans difficulté. Dans la génération PAM, non. Donc, nous avons une chance de suivre Haïti qualifié sans difficulté. Donc, souvent, nous toujours dans la difficulté et nous sommes considérés une première possibilité de qualification. Et Gepouchi da Silva qui dit nous c'est 9 sur 9. Merci en pile. La noble a sorti, oui, là. La noble a sorti. Ok. On nous partage rapidement. On allait. Nous jouons avec Alexandre Pierre Nangol, Arcus Callens et puis Arcus Callens comme latéral droit. Central yo c'est AD et puis pardon et Alexandre Pierre toujours dans goal Arcus Callens latéral droit central yo c'est AD Gavin met tout ça là mais ça me t'a dit monsieur démarrer avec Kaneji Antoine ben c'est ça on t'a dit tout à l'heure il démarre avec Kaneji Antoine il jouait avec Dukens Nazon seul monde qui fait bon il jouait avec Nicente et puis dans les Jean-Jacques Sainte dans les Jean-Jacques. Même médian défensif qu'elle t'a démarré contre le seul changement qui fait dans les Jean-Jacques. Seul changement qui fait dans l'équipe ça, c'est Pico qui parle là. Pico qui parle là remplacé par Kaneji Antoine. Exactement. Donc Donald Nazon toujours là. Et puis Pierrot. Non, Donald pas là. Donald pas là. Voilà, mais il y a un changement. Derek Etienne. Derek Etienne. Derek Etienne, voilà. C'est ça. Effectivement. Deux Pierrot. Donc ça veut dire qu'il l'a annoncé là, c'est le monsieur Monté. Exactement. Sauf Brian Alceus qui parle là. Qui parle là. Donc voilà. Et Sainte, donc ça veut dire. Derrick Etienne remplacé Donald, Kaneji remplacé Pico, exact. Nazon toujours là, Pierrot toujours là. Franzi Pierrot toujours là, oui, Nazon toujours là. Parfait. Même pas cette équipe football ça, t'as supposé bah résultat positif devant équipe Honduras là. Honduras t'as supposé qu'on ait toutes les peines du monde face à l'équipe football ça. De plus, y en a point fort équipe football ça. C'est pas forcément joueur qui a démarré aujourd'hui à moi-même. Que analyse moins en plus basée côté que nous on dira pas le problème là. C'est parce que non seulement joueur ça au cap démarrer est capable de poser de sérieux problèmes à l'équipe on dira ça. De plus, gain monde qui sur le banc des remplaçants qui est capable de venir et continuer poser de sérieux problèmes à l'équipe on dira ça. Pas oublier, nous gain Picos qui sur le banc des remplaçants aujourd'hui hein. Exact. Nous gain Dani Jean qui sur le banc des remplaçants. Nous gagnons Donald Guerrier quand qui sur le banc des remplaçants. Même plus quoi que Donald, vraie place Donald dans l'équipe football ça c'est sur le banc des remplaçants et c'est en coupe de jeu pour nous utiliser. Et Donald pas en forme. Tout. Exact. Donald pas en forme, c'est pas pour sans raison, il pas de commencer pour il pas dit pas jouer premier en coupe là. C'est ça. Devant Qatar. C'est ça. Un problème dans l'épaule lui. Donc coach il risque qu'il joue avec lui non deuxième match et nous songe action goal ça. Alors, est-ce qu'il tape goal ou pas baronné, mais action ça que Donald est capable de faire pas ça pour goal fait, il pas fait, il pas de bail pas ça qui préfère shooter. Donc en plus on était sorti pour sacrifier Donald pour ça. Donc je ne dis pas jouer avec Donald, m'a pas dit exactement c'est peut-être action hein, non, mais physiquement Donald pas répondre pour goal cup ça en soi. En tout cas, je dis à la penser que 11 ça que Calderon y mettait à c'est 11 normalement qui possible pour nous d'avoir une qualification devant Honduras. Mais tout, il y a une question pour nous poser sur Onza. Ça montre nous que Calderon, malgré son habitué à groupe là, trois matchs de groupe, pas jamais gain, pardon, modification au niveau de la ligne défensive. Ok. Non, ligne défensive là. Ouais, c'est clair, donc ça n'a pas eu trop de discussion sur nous. Mais nous comprenons que Calderon, jusqu'à présent, a cherché une équipe, que ce soit au niveau du milieu de terrain, pas au niveau de la pointe de l'attaque, mais milieu offensif et milieu défensif. Jusqu'à présent, Calderon n'est pas capable de jouer une équipe de Sibylia. Exactement. Par contre, vous comprenez ça, c'est ça.
pour qu'on gagne vraiment les éléments clés au niveau du milieu terrain défensif et milieu terrain offensif pour Calderon. Parce que là, M. Guillon, on est capable de dire comme si quelques doutes sous Swabran Alzeus, il voulait faire confiance à d'autres joueurs, par exemple, dans les Jean-Jacques ou Elbal chance une deuxième fois, une deuxième titularisation. Exactement. Donc consécutive. Et monsieur qui justement, Pico, Derrick Etienne, Kanedji Antoine, monsieur Sayo, pourquoi vraiment chita dans plan Calderon, comme si c'est permutation qu'a fait. Pour en fait Calderon capable de joindre qui est-ce qui est capable de le résultat, dépendamment qui adversaire qui est bien face tout. Bon, à ce là, c'est un Napton. Tous les téléspectateurs ont déjà eu line up là. Avant d'avancer plus loin, on a eu line up là avec avec les téléspectateurs régie. Puisque entraîneur Calderon, il commençait avec et n'a parlé de Alexandre Pierre Nangol. Défense, il jouait avec Yon Montakou. Et n'a parlé de Ricardo Adé et Garvin Metoussala qui c'est qui toujours là dans la défense là. Et puis il jouait avec Alex Christian Junior comme latéral gauche. Danley Jean-Jacques associé avec Calfred Sainté comme médian. Calderon il jouait avec Derrick Etienne, Kanedji Antoine, Duken Sinazon et puis Franzi Pio, c'est Mounsao. Et qui campait ou bien qui pral démarrer pour l'équipe haïtienne là. Donc il n'est que d'attendre puisque football là c'est 90 minutes, 45 pour adversaire là et puis 45 pour nous. Donc nous va connaître qui ça équipe haïtienne dans le même niveau gain pour le bail par rapport avec 11 ça que entraîneur sélection Calderon lui-même lui mettait sous pied pas bien matin gagné ancien coach sélection qui c'est Wanyu Eloi qui était passé rendre monsieur en visite dans hôtel côté hôtel. C'est bien donc c'est bien leur joindre genre de visite personnage Zayo qui passait visiter ou capable de propager sous énergie positive qui sait. On se croise les doigts, mais ce soir, comme moi-même t'ai fait dans un poste, Haïti n'a pas droit à l'erreur sous aucun prétexte. Résultat meilleur pour nous faire, c'est battre pour nous battre Honduras. Maintenant, vous avez parlé de 11 qui a démarré aujourd'hui. Pour les gens qui ont peine connecté, on a dit que Calderon a démarré dans le goal avec Alexandre Pierre. Défense centrale, pas de changement. Ricardo Adé, qui a associé avec Metoussala. Alex Christian Junior, qui a démarré match football aujourd'hui comme étant arrière latéral gauche, comme d'habitude. Arrière latéral droit, Akus Callens. Milieu terrain, a gagné justement Calfred Sainté, qui a joué. Nous saluons Yves Saint-Brice, qui l'a. Top là. Et oui. Et milieu terrain, on est capable de dire deux milieux récupérateurs, Yossé Pral Sainté avec Danley Jean-Jacques. Trois moun kap joué yo, gen changement justement au niveau de la ligne. Nous kap parler de, surtout au niveau du milieu offensif de cette sélection haïtienne de football comparativement ak moun ki te joué contre Mexique. Donc, dans trois moun ki te joué contre Mexique, seul moun ki retenu par Calderon c'est Duken Snazon, Pagé Pico, Pagé Donald Guerrier. Pico remplacé par Derrick Etienne et Donald remplacé par Kanedji Antoine et puis Pierrot pral jouer en attaque. C'est 11 moun sa yo qui pral démarrer pour la sélection haïtienne de football. Moi je pense que jodi an si on est en coup d'Eric Etienne met grand moun sou li capable certainement al chercher connexion avec Sainté et dans les Jean-Jacques pour capable al poter manger bay yon est en coup Franzi Piero. Moi je pense que ça ta supposé capable bay résultat. Avec Kanedji Antoine également qui ont capacité technique, exactement, capable de faire même qui travail très là, tout. Qui très rapide tout, capable de faire même travail là, bail on est en coup Piero et m'espérer par exemple, jodian monsieur capable plus jouer avec Donald et pardon, plus jouer avec Piero et Nazon comme deux pointes au lieu de jouer ensemble avec et Franzi Piero seulement comme pointe. Bon, c'est Péata Pimon, comme vous j'en dis. Yon Péata, Kounia, ça va demander pour monsieur ta changer chez ma tactique là. Ouais. Peut-être qu'il est capable de faire un 4-4-2. Mais, Jean qui est entraîneur là, lui-même, façon que Mouel joue, monsieur Sonek qui aimait, l'aile qui est mis en terrain, qui jam, qui solide. Ou bien, on a dit l'aile qui est mis en terrain, qui est en pile mon nada. Parce que, deux premiers matchs, c'est comme ça le déjouer.
avec un seul point d'attaque, ni devant Mexique, ni devant Qatar, avec un seul monde devant. Donc, je dis en là, au Capabuel, c'est même quatre figures. Même plus quoi dans deux mondes devant. Oui, avec, deux mondes devant. Avec, mais pas oublier, Dukens Nazon. Le fait que Dukens Nazon a une capacité technique qui est plus élevée que Pierrot, est-ce qu'on est capable de parler aujourd'hui de capacité technique Pierrot? Parce que technique là, on est capable de garder sous plusieurs formes. Pierrot, c'est pour un nègre qui est capable. C'est ça. Pour un nègre qui est tellement. Plutôt, je préfère que me dise Pierrot est pour un nègre qui. Techniquement, lorsque le ballon est capable de déstabiliser la défense adverse pour la marquer goal là. Dukens Nazon, par contre, gagne capacité ça. Pour la chercher faire connexion avec soit milieu terrain ou quelques ailiers ou un ailier, déstabiliser la défense là, marquer goal. Et Dukens Nazon, il a une rapidité. Exact. Donc Dukens Nazon, c'est un joueur, pourquoi Dukens Nazon marqué un pile goal de la tête. Mais à part ça, Dukens Nazon, plus ou moins, on va chercher. On dit le point plus complet que Pierrot. Mais par contre, Pierrot a tout. Si on est capable de chercher, manger, ou capable de faire jouer dans la mi-temps terrain. Pour te le balayer. Ou qu'on meneur de jeu qui est capable vraiment de faire connexion avec mi-temps terrain, à déstabiliser la défense adverse là, mettre en orbite, l'a marqué goal au pluriel. Bon. Et tant que moi-même, souvent, dit le Pierrot, je considère M. Comion. Et Christian Vieri à l'époque, la Zio de Rome. C'est comme ça que je considère Fondi Pierrot. Je ne veux dire là, avec présence de Kanéji Antoine, plus que Kanéji Antoine, il va jouer comme demi-gauche dans l'équipe là. Donc, avec présence, il a le ballon qui va le faire centre, je pense que la bon pour Pierrot, soit avec point de pied, même si on a fait premier golden devant et Catalan, ou bien faire centre là sous tête, il est tout le capable de mettre coup de tête là. Talon n'a pas de Donald Guerrier. Je me rappelle que Donald qui a commencé dans Violet Athletic Club. Et même tout le monde de l'équipe américaine, Donald Guerrier c'est plus comme latéral droit, latéral gauche. Il était joué. Ça veut dire qu'il était joué pas derrière demi-gauche. Je ne dis pas, depuis que Donald traversé à l'étranger, alors il était fait traverser, je crois que c'était en Pologne. En Pologne. Plus la Cracovie. Monsieur était toujours conduit comme latéral gauche. D'un coup, Donald vient changer de latéral gauche. À demi-gauche. Peut-être que entraîneur Yo-Yo ou monsieur capable d'être plus performant en termes de demi-gauche par rapport avec latéral gauche, c'est ça qui fait au métal, mais toute population, yo connaît Donald Guerrier, c'est un latéral gauche qui est lié et ça vient fait tout en dans sélection, yo même tout profiter convertir Donald Guerrier en position de demi-gauche. Donc je dis en lit souvent, Kanéji Antoine, c'est le même qui va remplacer. Comme demi, on parlait par rapport avec match que Donald a commencé devant l'équipe Mexique. Et je pense que tout, présence Donald devant Mexique, c'est pas parce qu'elle était trop performant, c'est pas parce qu'elle était bon, mais je pense que c'est pour être capable de faire un impact dans les yeux mexicains. Oui, parce que. Pas bien Donald, c'était un pilier sélection ça en 2019 devant le Mexique, et ville mettait Donald tout, il était capable de paraître piper, mais c'est dommage. Peut-être que coach était bien calculé. Mais ça a été besoin de pas de jeune. Et parfait. Et puis, mais si on pense que ça fait depuis quelques minutes pour nous faire des, quelques considérations sur les différentes possibilités de qualification de cette sélection haïtienne de football. Exactement. La première possibilité, c'est que, au cas où Haïti pourrait jouer contre Honduras, en même temps Mexique a joué contre Qatar, au cas où pas de vainqueur, dans tous deux matchs de football, ça a été qualifié. Exact. Donc, en supposé que Haïti pour jouer contre Honduras, deux équipes ça a fait match nul. En même temps, Mexique a joué contre Qatar, deux équipes ça a fait match nul. Haïti qualifié automatiquement, l'a pas accompagné Mexique. Donc, Haïti a terminé en deuxième position derrière le Mexique. Ça, son première possibilité de qualification. Puisque avant match football haïtien, Haïti deuxième dans le classement. Est-ce que c'est confrontation directe ou bien? C'est différence de but d'abord. Parce que là, on parlait de. Au cas où Haïti a fait match nul. Et puis, si Haïti fait match nul contre Mexique. Honduras. Oui, Honduras. Quand tu as fait match nul contre Mexique, Haïti fin deuxième. Exactement, Haïti deuxième. Donc ça veut dire si pas un vainqueur dans tous deux matchs de ball, ça a joué simultanément. Haïti deuxième. Haïti fin deuxième. Ça, c'est la première possibilité de qualification pour Haïti. Deuxième possibilité de qualification pour Haïti, c'est que Haïti capable de faire match nul, les qualifier. Mais cependant. Si Haïti fait match nul, pour Haïti qualifier pendant le match nul, là,
il faut que équipe Mexique batte Qatar. Exact. C'est moins bien. Mais ça a été à 4 points. Haïti a vina 4 points. Points. Mexique a vina 9 points. Qatar a fini à 1 point. On dira ça a fini à 2 points. Mm-hmm. Donc Haïti a qualifié comme deuxième à 4 points. Ma reprend. Deuxième possibilité de qualification pour Haïti. Si Haïti fait match nul contre Honduras, obligatoirement pour Haïti ta qualifié, faut que Mexique capable battre Qatar. Parce que si c'est Qatar qui bat Mexique, nous allons regarder pour nous, c'est Haïti a éliminé automatiquement. Mm-hmm. Si nous faisons match nul contre équipe Honduras, pas oublier jodi là, après 3 matchs Haïti, nous marquons 3 goals, nous prenons 4 goals. Nous avons une différence de goal moins 1. Qatar, de son côté, il jouait 2 matchs. Il perdu Youn contre Haïti 2-1. Il fait match nul contre équipe Honduras. Il y a un goal partout. Donc ça veut dire équipe Catalan, il baille 2 goals. Il encaissait 3 goals. Il y a une différence de goal moins 1. Même différence de goal que Haïti. Donc, ceci étant dit, si nous faisons match nul contre Honduras, nous avons la différence de goal moins 1 noir. Et Qatar qui a une différence de goal moins 1, s'il bat Mexique, il met 1-0, la passe en différence de goal 0. Et nous connaissons, arithmétiquement parlant, moins 1, il est plus petit passé 0. Donc ça veut dire que Qatar a passé sur Haïti pour une plus bonne différence de goal. Puisque Qatar a une différence de goal 0. Haïti a une différence de goal moins 1. Faut tout dire avec téléspectateurs, CONCACAF, il n'y a pas compté confrontation directe. C'est différence de goal d'abord. C'est différence de goal d'abord. Après l'autre, il vient. Exact. Donc, là, nous parlons justement de. Nous t'as parlé de possibilité de qualification pour Haïti. Si Haïti fait match nul, fuck Mexique bat Qatar. Dans le cas contraire, c'est Qatar qui bat Mexique pendant Haïti fait match nul contre Honduras. Haïti éliminé. Donc, mesdames, messieurs, et ça que fait, nous t'as parlé de. Fuck Haïti al chercher bat Honduras pour éviter calcul ou bien al compter sous Mexique pour bat Qatar pour nous. Il paraît presque évident. Il paraît presque évident sur le papier, Mexique t'a supposé battre Qatar, mais c'est le football. Donc nous pas capable à le baser sous équipe qui a battu pour nous, pour que justement nous espérer qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Zamio Kababrele, puisque là il fait 8h49 minutes, dans un petit temps comme match football n'a pas démarré, et il y a possibilité pour match capable jouer à 9h30 selon les dirigeants Fédération Haïtienne de football. Yo. Zamio Kababrele sous 4-3-8, 7-2-8, 2-2, 2-4 pour qu'ils soient capables de rentrer en contact avec nous. By opinion, yo, sous comment vous avez match football. Ça, d'ailleurs, nous sommes by 11 qui ont démarré contre l'équipe Honduras. Nous sommes capables toujours rappeler qui 11 monde qui ont démarré. Et si jamais ou à peine branché, n'a pas rappelé de temps en temps qui 11 monde que Calderon a joué contre l'équipe Honduras. Donc nous sommes capables de relayer dans 4-3-8, 7-2-8, 2-2, 2-4. Sous par Canada, nous sommes capables de mettre plus un devant numéro 1 pour que nous capables de rentrer en contact avec nous. Bah, opinion nous, sous sélection haïtienne. Nan. Et nous pensons que en pile, nous avons parlé, bah, on dit détail. Sous comment justement nous est sélection haïtienne ça aujourd'hui contre Honduras merci. Exactement m'ta n'a dit avec téléspectateurs yo capable reler sur WhatsApp moun ki pa gen minute yo mettre les sur WhatsApp et puis n'a disponible 438 728 22 24 attendez bien c'est 438 728 22 24 donc c'est numéro ça pour taper pour capable parler ensemble avec nous pour capable bay avis par de match football ça Haïti contre la formation on dirait du football en pile c'est annoncé pour 4 heures, pour 9 heures mais la Fédération haïtienne de football fait nous connaît c'est pral à 9h36 puisque fait deux postes c'est le ça eux même ils ont déjà annoncé donc n'a pas partager là notre avec téléspectateurs oui n'a pas partager justement donc 11 monde qui a bien pour démarrer mais ça exactement 11 monde qui a bien pour démarrer et pour sélection nationale haïtienne non entraîneur Calderon et il fait appel avec Alexandre Pierre dans goal dans défense là il joue avec Arcus Callens comme latéral droit et Ricardo Adé associé avec Gavin Metoussala c'est deux monde qui a vu comme défenseur central yo
comme latéral gauche, c'est Alex Christian Junior. Dans le temps terrain, entraîneur Calderon, lui fait appel avec Danley Jean-Jacques Mendoza 17, associé avec Calfred Sinté, qui est un titulaire indiscutable de nos jours avec sélection ça. Et puis, comme trois mouns qui devant Sinté avec Danley Jean-Jacques, c'est Kaneji Antoine qui à gauche, Derek Etienne lui à droite, et dans le temps de mouns, c'est Dukens Nazon qui l'a. Et puis, devant, c'est un seul monde qui s'est Franzi Piero. Donc, gros garçon, n'importe qui, Jean le mette, bon, petit coup de corps à régie, ou tombé. Donc, monsieur, c'est Mounsao qui est présent pour l'équipe haïtienne, devant l'équipe Honduras, sans côté que nous allons jouer, nous allons essayer pour nous essayer de jouer une qualification, nous, jeudi et jeudi. Et 11 ça qui démarrait depuis avant, dirigeant ou bien Calderon était sorti 11 ça, et bien Radio Téléconnexion était en bail 11. Qui était supposé démarrer. Exact, et vraiment, exact. Pas de changement par rapport à ça, me dit. Pas de changement parce que moi-même, j'ai juste prévoir présence des joueurs comme Kaneji et Derrick Etienne. Exactement. Donc, je dis, nous pas capable de nécessiter, nous pas capable de chercher le billet qualificatif pour que nous ayons sur le banc des remplaçants pour ne pas utiliser d'entre Dieu. Nous capable toujours retirer après 30 minutes si vous ne répondez pas à 40 noms, si vous ne faites pas exactement ce que vous souhaitez. Mais, démarrer un match important sans avec Derrick Etienne sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Apparemment, Kaneji Antoine était capable toujours et sous banc parce que ça c'est peut-être personnel, pas fini avec Kaneji. Okay. Mais parfois, il y a pas nous, il supprend nous. Même si on supprend nous contre Qatar. Donc, moi je pense que vraiment, il y a deux éléments ça y a un besoin de qualification, nous pas capable de jouer pendant que ça y a un relégué sur le banc des remplaçants. Et puis, n'a dit que pendant tout à l'heure, on a fait considération sur l'ensemble de possibilités de qualification de l'équipe Haïti. Ça. Donc, m'a rappelé chaque Haïtien, chaque Haïtienne qui a sur moi là, c'est que en cas de défaite de la sélection haïtienne de football, pas de considération de éliminer. Ça dépend de notre match. Pas de aucune considération si on fait défaite de nous éliminer, mais on a regardé pour nous. Mathématiquement parlant, en cas de défaite, Haïti est éliminé directement. Peut-être qui ça parce que. Mais si on nul dans l'autre match. Là. Mexique a 6 points sur 6 possibles déjà. Exact. D'accord. Si on nul dans l'autre match, là, chaque équipe doit venir à 2 points. Qui était déjà à 3 points. Est-ce que vous voulez m'avancer? Ok, on va avancer. Mexique déjà a 6 points sur 6 possibles. Ou d'accord. Donc ça veut dire, Haïti, si nous perdu, nous sommes à 3 points. Nous. Exactement. Ou d'accord. Donc, à l'équipe qui a joué, c'est Honduras. Honduras gagne 1 point. Si Honduras bat nous, il passe à 4 points. D'accord? Donc, ça veut dire, adversaire direct nous, il a passé devant nous. Okay. Donc, Honduras gagne 4 points, nous sommes à 3 points. Exactement. Donc, et c'est deux équipes qui ont qualifié. Exactement. Donc, Haïti éliminé automatiquement. C'est le Mexique, Honduras qui a qualifié. Donc, ça veut dire, automatiquement, si nous perdus, Haïti éliminé, pas aucune considération. Ou clair qu'on y a maison. Exactement. Donc, ça veut dire, nous ne doit perdre, je dis. Nous avons fait match nul, nous qualifier. Mais le ça nous obligé à compter sous Mexique qui pour battre Qatar. Et ça fait jodi hein, bah ça ne s'annonce pas facile pour nos Grenadiers. Mais normalement sur le papier Mexique paraît puis en forme que équipe catalane, mais quand même c'est le football et entraîneur l'entourien doit dire bon fin qualifié monsieur Soubanyo, bon tester nous pour moi ça ne beauté. À dire si là ils font calcul comme ça et puis pas bien Qatar, là Qatar a chance pour qualifier toujours. Mais oui, Qatar a des chances de possibilité de qualification. Si coach Mexique l'a dit, toute équipe a des possibilités. Ni Qatar, ni Honduras a des possibilités pour qualifier. Ni Haïti, tout l'objet de dire. Oui, ben, nous même c'est ça, nous avons chauffé. Pour ça, là. Elle dit, si coach l'a décidé, elle a dit, bon, m'a metté monsieur réserviste pour jouer devant Qatar parce que je suis qualifié, alors que Qatar vient avec toutes les amies, pas bien Qatar a un petit petit qui a un problème en pile. Et Youssouf, il faut nous ça 11 ans. Ouais, Youssouf. Donc coach Chanta dit la met toutes amnis, donc nous t'avons perdu devant équipe 4 devant équipe et Honduras bien Qatar t'a battu équipe mexicaine non. Là, c'est pas toutes les peines du monde pour sélection haïtienne. Et puis Emmanuel Messon Jean qui m'était annoncé le talent et zanmi yo capable reler pour capable ba opinion nous et nous pral rappeler encore une fois Emmanuel Messon le 11 de départ de la sélection haïtienne de football au dépens de la sélection hondurienne. Haïti qui a joué dans le goal avec Alexandre Pierre. En défense centrale, Metusala a pas associé avec Ricardo Adé. Arrière latéral droit, c'est Pral Akus Callens. Arrière latéral gauche, nous pral démarrer match football là contre Honduras avec Alex Christian Junior.
Milieu terrain a joué un système 4-2-3-1. C'est comme ça qu'Alderon choisit jouer contre Honduras jeudi. Calfred Sainte avec Danley Jean-Jacques, c'est deux milieux récupérateurs. Et trois mouns qui ont joué devant deux messieurs Sayo, c'est Pral, Derrick Etienne, Kennedy Antoine avec Duken Snazon. Et nous avons joué justement avec Franzi Pierrot comme seul point dans le match de Bolsa contre Honduras jeudi. Parce que c'est un 11 qui t'a supposé poser pas mal de difficultés à conduire au maison. Exactement, nous avons rappelé encore, le match a été annoncé pour 9h. Jusqu'à présent, tout site, même si ton cas c'est pour 9h l'annoncé. Donc la Fédération ASM de football annonce pour 9h36. Donc c'est-à-dire s'il y a 9h, nous étions seulement 3 minutes pour le match a commencé. Mm-hmm. Parce que nous-mêmes, nous avons fait zapping sur plusieurs autres chaînes pour nous voir comment ça va. Nous allons essayer de contacter les collaborateurs qui sont dans ce stade-là, dans ce stade-femme stadium. Pour nous connaître qui ça a fait, nous allons essayer de contacter M. Tal comme ça. Mais jusqu'à présent, c'est toujours 9h. En même temps, il faut dire avec les spectateurs, tous les deux rencontres, ils ont joué ensemble. Mm-hmm. Ça veut dire pas une question. Haïti a fini de jouer contre Honduras et puis Qatar va jouer contre Mexique. Du tout pas. Ni Qatar, Mexique, ni Haïti, Honduras, tous les deux, ils ont fait à même l'heure une façon pour avoir trop de calcul dans le football. Donc, Napton, pour nous connaître qui s'est passé, et avec la présence de Kanéji Antoine, c'est pour la première fois en trois matchs que Kanéji Antoine est titulaire. Et pour la première fois, puisque le match ont été joué contre Qatar et Catalan, c'est Kanéji pas titulaire. D'ailleurs, il était monté en cours de jeu et pour qu'il était capable de délivrer passe là et pour Franzi Pierrot qui était bas nous goal victoire là. Et c'est justement après et performance individuelle Kanéji Antoine qui était paraît très collectif qui permet Franzi Pierrot de faire goal victoire là contre Qatar. Nous avons même envisagé une éventuelle titularisation Kennedy Antoine contre Mexique que Calderon n'a pas fait. Et nous sommes capables toujours de mettre Kennedy Antoine titulaire contre Mexique nous perdu. Ce n'est pas parce que Kennedy Antoine n'a pas titulaire contre Mexique qui fait des perdus. Ce n'est pas parce que Derrick Etienne n'a pas titulaire contre Mexique qui fait des perdus. Mais par contre, lorsque Calderon a choisi de jouer avec deux messieurs Sayo d'entre Dieu, tu as des critiques sur tout sur Calderon. Parce que ou pas capable de jouer avec des adversaires si coriaces, ou à jouer en compétition ou non groupe qui considéré comme groupe de la mort dans la compétition, hein, pour des éléments ça yo, pour démarrer un match football sans yo. Préférer me perdre à Kennedy Antoine, à Derrick Etienne, pendant me démarrer avec yo, me capable retirer yo dans match là. Mais démarrer sans yo, li pas paraît évident. Exactement, démarrer sans yo, pas paraît évident. Bon, nous, un téléspectateur qui dit nous. Match a commencé longtemps, mais devant l'âme beaucoup est gagné. Non, match a recommencé, monsieur. Parce que nous sommes plusieurs channels, nous avons fait zapping. Ce match a recommencé, donc qui sommes capables de faire là? On nous essaye. On dit que dans l'autre match, le résultat Jamaïque, Saint-Kitts-Lan, Jamaïque, Libat, Saint-Kitts. Quittez-nous pour un séparateur pour nous regarder. Nous allons essayer de regarder pour nous. N'a fait zapping pour nous, ça a fait régie de match football là. Est-ce que le démarrer n'a fait zapping? Nous sommes capables de continuer à parler, mais oui, n'a dit que le résultat, yo, c'est que Jamaïque, pendant qu'on a parlé là, il a mené par 5 goals à 0 sur l'équipe Saint-Kitts là. De même tout pour les États-Unis contre. Alors, bon, les États-Unis, 6 goals à 0 là. États-Unis contre l'équipe Trinidad là. Match qui 6 goals à 0 en faveur de l'équipe américaine. Les États-Unis qui étaient avec 4 points, ça veut dire qu'ils étaient en difficile. On dit qualification équipe américaine là qui était en difficile avant match là. Même dit difficile. On dit le pot qu'on qualifié pour les quarts de finale avant match ça, je ne veux dire. Et faut que nous disons mieux pour ne pas faire tête chaude parce que là nous-mêmes, tout détail dans mes noms. Match Haïti a beaucoup commencé. Non, du tout, beaucoup commencé. Ok. Et peut-être que comme dirigeant. Ma seulement garde un bagage là pour moi. Comme dirigeant, on te dit 9h36. Donc, on a regardé pour nous est-ce que c'est avec le jusqu'à chat. Présent, pas gagné. Bon, on a regardé là, pas gagné délai. Non. Match a beaucoup. Match a supposé commencer. Match a t'as supposé commencer à 9h, mais il peut commencer. Il peut commencer. Donc, comme d'Abdil, les États-Unis qui a peiné par 6 goals à 0. C'est fin match là qui a fait là, puisque tout ce temps réglementaire qui a joué. 5 minutes là, quand on dit tous les deux équipes, habite central là, 5 minutes, deux chaque entre les États-Unis et
équipe Trinidad là et entre Saint Kitts et équipe jamaïcaine là. Faut rappeler que sélection n'a pas parlé bien de sélection Saint Kitts et Nevis là. Il était joué en amical contre la sélection haïtienne de football. Le ça Haïti il était battre équipe Saint Kitts ça et c'était sur un score de 3 goals à 1 de même tour pour Miami United qui était Haïti te battu 3 goals à 1, mais sélection haïtienne sa régie. Itabral fait un nul contre équipe Trinidad Lan, 0 goal partout. Et Haïti en Jamaïque contre équipe Trinidad Lan qui déjà terminé. Déjà terminé en attendant. Haïti Lan lui-même lui bat dernier coup de sifflet dans le match football. Jamaïque contre équipe Saint Kitts et Nevis Lan. En attendant, nous là, par contre, nous avons l'autre bagaille, on a dernier bagaille, on va ajouter. Bon, nous capables de dire pour l'instant, on a regardé pour nous, Jamaïque a mené 5-0 sur Saint Kitts. Nous avons juste un petit coup d'œil. Et nous avons rappelé en mieux que match haïtien, pourquoi démarrer? Si match a été démarré, nous avons joué une image déjà. Exact. Pas fatigué nous, ou sur Radio Télévision Connexion, ou sur page Will Kitelus Monti Régime Asvocal là, ou sur page Yeda Sport Haïti, ou sur page Emmanuel Messon, pas de bluff. Nous, en fait, c'est. Nous pas des tombés du ciel, ils sont pas habitués que nous y est. Donc ça n'a fait à nous pas battre l'estomac, nous n'a dit que nous connaissons ça n'a fait à, mais au moins nous avons une idée de ça n'a fait à. Pas fatigué nous, automatiquement image la vini, donc n'a fort qu'on est et que n'a porté image pour vous pour match Haïti contre la sélection du Rien de football. Dans groupe A, oui, allez, maison. Fon dit que c'est Oshan Nation, monsieur qui de nationalité jamaïcaine, c'est le même qui a bien sifflé à nous-mêmes. Et puis, on a dit, pendant parler de jamaïcain, donc on a dit que match Jamaïque contre Saint Kitts et Nevis, c'est un match football. Ça, pourquoi fini? Jamaïque a mené 5-0 sur l'équipe Saint Kitts et Nevis. Et dans le groupe A, c'est États-Unis qui finit en première position. Jamaïque, justement, pour qu'elle termine en deuxième position dans le groupe ça. Habite là, pour que coup de sifflé. Hein? Coup de sifflé final. Ok. Même penser que vraiment, le groupe ça, il a respecté tout le principe. États-Unis, Jamaïque qualifié dans le groupe qui est là. Trinidad, Saint-Kitts et Nevis. Donc, je pense que toute logique est respectée dans le groupe A. Nous en attendons pour le groupe A. En toute logique, Haïti t'a supposé accompagner le Mexique dans le groupe A. Bon, c'est ça, t'a supposé, mais on est des fois à mettre là. Les gens ne pas faire respect ou pas respecter tête. Ils ont quitté tout le monde dans le Babio. Haïti t'a supposé accompagner donc match Jamaïque là à peine terminé. Donc, Jamaïque qualifié et comme étant deuxième dans le groupe A. Jamaïque finit à 4 points, même nombre de points avec États-Unis. États-Unis, justement, Jean Dabdinouan finit avec un pire différence de goal sur l'équipe Jamaïque. Une différence de goal plus Jamaïque 6. Jamaïque finit à 7 points. Jamaïque finit à 7 points, il était à 4 points. Ah bon? Attends. Ni Jamaïque ni les États-Unis, ils finissent avec 7 points. Alors... Jamaïque finit à 7 points, États-Unis finit à 7 points. Ok. Donc justement, donc pour une pire différence de goal, États-Unis, pardon, je m'excuse, finit devant l'équipe jamaïcaine de football. Donc États-Unis qui marquait 12 goals, et puis l'équipe jamaïcaine qui marquait, on dit qu'il y a plus 12, Jamaïque qui avec plus 8, donc c'est raison ça qui fait, et c'est les États-Unis qui prend devant l'équipe américaine, équipe et jamaïcaine. Et puis pour les amis qui a peine à rejoindre nous, Merson nous a dit que et selon format compétition en dirigeant contre Cacafio, ces différences de goal ont priorisé avant face à face. Donc ceci étant dit, si Haïti fait match nul contre Honduras en même temps, équipe catalan bat équipe mexicain, Haïti et Mexique a fini même nombre de points, 4 points chaque, mais Qatar pourra le passer sur Haïti pour une bonne différence de goal. Exactement. Léa n'a pas avancé puisque il déjà fait 9h05. Ça veut dire. Mais nous là, exactement, si match là a démarré, là, nous avons match déjà. Donc, puisque nous avons 10 amis, et avant que nous venions dans Mikola, nous avons fait un coup d'œil sous page officielle Fédération Haïtienne de Football. Là. Dirigeant Fédération Haïtienne de Football yo, annoncé que match là a commencé à 9h36. Exact. Il n'y a pas de raison qui fait match à commencer à 9h36. Mais nous seulement well sous site, en fait, pardon, sous page officielle Fédération Haïtienne de Football. Non? Nous kembel comme information, nous partager ensemble avec Okounia parce que match officiellement est de démarrer à 9h selon site contre CACAF là. Mais nous connaissons contre CACAF, ce n'est pas en Europe que nous sommes, ce n'est pas UEFA. Eh bien, match là, selon dirigeant Fédération Haïtienne de Football. Yo, l'a démarré à 9h36. Exactement, non, ça c'est feuille de match officiel là, bien devant là. Haïti-Honduras, normalement c'est 9h36. C'est ça. 9h36, match a démarré. Mais ni,
Ça c'est date là 9h36 selon la fédération haïtienne de football. On a fait coup de magie ça. Bon, peut-être il est 4h35, même pas raison. On pas venir dire 9h33, 9h31, 9h37. Ouais, 36. Pas pour qui ça coup de guidon ça. Bon, peut-être que bon, des fois tout, on a essayé faire calcul de temps. Mm-hmm. Bon, ça dit, le gain doit ouais, oui, de algue doit pas bon. À tel le par exemple oui, la considération ça obligé font y avancer mm-hmm. Donc mm-hmm. Alors on pas dit c'est ça lié donc ça c'est juste un calcul mm-hmm. Même par raison on bon coup de crayon ça ouais comme si 3h36 exact il était capable 3h35 il 14h30 exact il 14h40 bref mais on pense que l'important pour nous rappeler les amis 11 de départ sélection haïtienne non, contre Honduras l'important également l'offre de partager pour moi est-ce que Honduras bon côté yo gaintan publié 11 cap démarré contre Haïti depuis au bail pas Haïti Honduras il a tout et n'a pour 11 l'an rapide par contre on est souvent allé avec pas Haïti et puis moi-même nous va le faire tout. On est allé avec Haïti. OK, Haïti a joué en goal avec Alexandre Pierre le 201 et Arcus Callens le 202 gagné Ricardo Adé 204 Gavin met tout ça là monsieur a joué avec Dosa 6 c'est le cap associé avec Ricardo Adé dans central dans défense centrale là Kaneji Antoine Dosa 7 gagné présence de Duken Snazo cap joue avec Dosa 9 Derek Etienne Dosa 11 Donnelly Jean-Jacques monsieur ça fait le deuxième match que le titulaire il a joué avec Dosa 17 puisqu'il a associé avec Calfred Sainté qui a joué avec Dosa 18 en de équipe là et il joue avec Alex Christian Junior avec Dosa 22 comme latéral droit et puis devant c'est Franzi Pierrot gros garçon moi me le Christian Vieri donc c'est le même qui a devant pour sélection haïtienne là côté Haïti pour jouer contre équipe Honduras Sandrali rapide avec 11 cap de main pour équipe Honduras là nous capable essayer font calculer ou bien font garder pour nous 11 ça qui là est-ce que c'est le même qui était là devant équipe catalane en deuxième rencontre là. C'est important. Et donc, est-ce que vous avez gagné? N'a pas joué rapide. Parce que vous avez annoncé Honduras ou Panama, pas appelé, qui a gagné deux joueurs qui n'ont pas présent. Donc, nous allons essayer de garder rapide ou aller avec Elaine Oblak. Oui, donc pour Honduras, il a joué justement avec Menihar Nangolan. En défense centrale, il a joué justement avec Marcelo et Garcia. Arrière latéral gauche, c'est Omar Elville. Arrière latéral droit, c'est Pal Nunez. On dira Snapdike, il a joué un dispositif tactique 4-4-2 contre équipe haïtienne. Il a joué avec 4 moun, donc dans le temps terrain. 4 moun, c'est Flores, et Alvarez, Rosales, et puis Pinto. Et puis 2 moun qui a joué en attaque pour équipe Honduras. C'est Bengush, ensemble avec Bengson. C'est justement l'équipe Honduras qui a entraîné par Diego Vasquez. Ok, on va aller encore essayer de regarder. Maintenant, c'est Edric Mendival. Ouais, c'est monsieur qui a démarré contre Qatar dans le match nul. Pablier Qatar a mené 1-0 dans le fin match. L'équipe Honduras a égalisé contre Qatar. Et ça, c'est un mauvais signe pour Haïti. Mm-hmm. Comme latéral gauche, il était joué devant Qatar avec Omar Elville. C'est monsieur qui a démarré toujours, je dis. Défense centrale, là, c'était Luis Vega, associé avec Raúl Santos. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Ok. Maylor Núñez comme latéral droit. Oui, c'est même Núñez, là. Ça veut dire que nous avons là, centrale, là, il change. Changé. Dans le temps terrain, Joseph Rosales, de sa 8, qui était joué devant Qatar. Monsieur a joué Jodia comme arrière latéral gauche. Mais ailier gauche, pardon. Mm-hmm. Et il a joué devant Omar Elvin. Oui, monsieur a joué devant Omar Elvin. Et comme à droite, il a joué avec Brian Acosta de Sassis. Brian Acosta. Mm-hmm. Donc, monsieur, justement, pas démarré Jodia. A dit, là, nous avons gagné trois changements. Il y a trois changements qui sont faits dans l'équipe Honduras okay. Par rapport à l'équipe qui était jouée précédemment. N'a continué. Gagné, tu parlé de Lopez de Sassis. Mm-hmm. Il a? Non. Ok, ça fait 4 toujours. Et Davy Flores 220 qui oui, est là. Flores a démarré aujourd'hui. Jerry Benston. Oui, monsieur a joué comme attaquant. Et puis Albert Ellis qui était marqué Green Ball là. Ellis, justement, donc monsieur Pab démarré aujourd'hui. Ça veut dire dans l'ensemble, il y a environ 5 à 6 changements qui fait dans l'équipe Honduras. Ça veut dire Honduras, c'est vrai. Est-ce que coach là lui-même 11 salles qui démarrent devant Qatar, est-ce que c'était 11 idéal par là
Nous pas connait mais nous avons gagné 5 changements par rapport avec 11 qui était démarré devant équipe et catalan qui fait journée aujourd'hui pas connait et pour qui raison entraîneur là qui c'est Carlos Quiroz. Nous pas connait pour qui ça monsieur fait tout changement ça donc même monde qui était devant équipe catalan gagné 5 là-dedans qui pas présent pour équipe et n'a parlé bien de équipe devant équipe haïtienne. Donc mais toujours paraît évident donc le match doit le pral jouer pour gagner assez de changements un peu partout et surtout gagner mon cas blessé l'étapement des également pour aller en profondeur pour qu'on est-ce que en pile dans mon sérieux capable démarrer est-ce que c'est pas pour problème blessure et ou bien c'est son problème de confiance bon côté entraîneur là et donc quitter nous pour une séparation mais on va regarder pour nous est-ce que match là désormais pas démarrer dans le moment qu'on a parlé là match pour qu'on commence mais qui était une bonne séparation pour nous le vérifier à 100%. Exactement. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la radio-télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup. Mascompa Barbershop, yon bel chasse, yon bel coupe. Mande Sauvléan, Yab Baoul. Mascompa Barbershop, 4413 AEB Bélanger S. Mascompa Barbershop, pour elle et lui. Tresse, mise d'extension, coloration, etc. Tout Sauvlé ou Wab Joannila. Composez le 514-439-6555 pour un rendez-vous. Mascompa Barbershop, salon. Communauté. La vie pas fait gâteau, même si n'a pas de saut, n'a qu'elle à la soeur. Du 24 juin au 16 juillet, Radio Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football qui hérite du groupe de l'amour. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la radio-télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football qui hérite du groupe de l'amour. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football qui hérite du groupe de l'amour. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la radio-télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du
du 24 juin au 16 juillet. Radio Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football qui hérite du groupe de la mort. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football qui hérite du groupe de la mort. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin au 16 juillet, Radio-Télévision Connexion sera au cœur de la 17e édition de la Gold Cup 2023. Avec la 9e participation de la sélection haïtienne de football, qui hérite du groupe de la mort. Composé du Qatar, du Honduras et surtout du Mexique qui est le recordman de la compétition avec 8 réalisations. L'équipe sportive de la Radio-Télévision Connexion, composée de Pedro Gervais, d'Emmanuel Merson, de Thierry Jimas Vocal, sera avec vous avant, pendant et après toutes les rencontres de nos Grenadiers. Nous l'avons fait pendant la Coupe du Monde, nous allons le refaire. Alors, soyez des nôtres. Du 24 juin. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes de retour après la courte pause. Nous obligés de retourner pour qu'on soit capable de porter certaines clarifications pour vous parce que nous, ces yeux, nous, ces oreilles. Et que pour nous capables de venir avec dernier détail, dernière information autour de la rencontre Haïti et la sélection hondurienne de football. Pour Zami qui paraît un peu anxieux, qui en fait a tant de matchs Haïti qui n'est pas capable de vivre, faut que nous honnêtes ensemble avec vous que le match là a gagné un petit décalage de 36 minutes. Le match football là a démarré à 9h36. Actuellement, il fait 9h19 minutes. Donc, nous sommes capables de dire dans 17 minutes encore, le match football là a démarré. Donc, Haïti, pour les amis qui à peine rejoignent nous, on a dit que la sélection haïtienne, là, comparativement à 11 qui était démarré contre Mexique, a gagné deux changements qui fait là-dedans. C'est que Donald Guerrier qui était démarré contre Mexique avec Fafa Pico. Eh bien, deux messieurs Sayo remplacés par, et respectivement, Derrick Etienne et Kanedji Antoine. Donc, ça veut dire, mais dispositif tactique Calderon n'a pas changé. Calderon a joué dans un dispositif tactique 4-2-3-1. Ça n'a pas changé avec seul Franzi Pierrot en attaque. Eh bien, c'est encore Alexandre Pierre qui a démarré dans le Golan pour sélection haïtienne. Non? En défense centrale, Metoussala a joué comme étant arrière central gauche. Arrière central droit, c'est Pral Ricardo Adé. Arrière latéral droit, c'est Pral Akus Callens. Alors que à gauche, n'a joué match football. En fait, n'a démarré avec Alex Christian Junior Tine Cafou. Mitan terrain, Jacques Mbap Dinouan, c'est un mitan terrain qui a composé de 5 mouns, mais avec 2 mouns qui a joué comme étant médian défensif et 3 mouns qui a joué comme étant milieu offensif. Je pense que c'est un bon choix. Et deux milieux défensifs, c'est Pral Danley Jean-Jacques avec le petit jeune Calfred Sainté. Et trois mouns qui ont joué devant deux messieurs Sayo, c'est Kanedji Antoine, Derrick Etienne, Duken Snazon, et puis Franzi Piero Pral justement seul en attaque. Mais elle a parlé de Franzi Piero seul en attaque. Pas moment, Duken Snazon l'a joué aux côtés de Franzi Piero.
certaines fois équipe là capable modifier dans un 4-4-2 classique également, on ne sait jamais, dépendamment donc contexte adversaire là ou dépendamment de phase de jeu. Donc c'est comme ça, c'est 11 moun sa qui a démarré pour sélection haïtienne là et nous dans studio là, nous pas pour compte nous avec Emmanuel Messon. Jodi an nou pa gen présence Pedro Gervais qui était dou avec nous dans studio, mais pour une raison bien pour l'autre Pedro n'est pas présent. Nous profiter occasion pour nous saluer parce que nous presque certain que Pedro a suivi nous là. Exactement 438 c'est ça 438 ouais, 438 728 2224 amis qui veulent reler pour capable bay point de vue et sous sélection haïtienne ça et surtout 11 que nous sommes partager ensemble avec vous. Nous capables de briller pour nous bailler point de vue nous avant même match football a démarré à 9h36. Exactement, vous mettrez les sur WhatsApp et bien n'a pas répondu. Vous mettrez les sur WhatsApp, n'a pas répondu téléspectateurs. Donc Haïti contre équipe Honduras là, une dernière fois nous joué avec Honduras, c'était dans World Cup 2015. Mm-hmm. Nous avons fait 1-1. Là ça c'était Nazon qui était fait grand goal équipe haïtienne là et je vous dis en bagala Livignon l'autre gens c'est vrai, mais quand même, Naptan, puisque tout le monde sait qualification, sélection nationale haïtienne, non, c'est ça qui Naptan contre la formation hondurienne de football. Et c'est qualification que Naptan devant l'équipe Honduras, non, et puisque Régis dit déjà, et Jean-Noutemandé Lan, c'est présence de Kaneji Antoine et puis de Kétienne, et entraîneur Lan, lui-même, lui tend des radio-téléconnexions et lui fait appel avec deux messieurs Sayo pour démarrer devant l'équipe Honduras Lan. Et avant ça tout, moi je te dis gagner présence de Yon Montankou Martin Expérience qui pas là, mais monsieur c'est doublure Yon Montankou Alex Christian Junior. Si monsieur était là dans deuxième match contre l'équipe mexicaine, c'est sûr que l'étape démarre. Mais tout entraîneur Lan Calderon li gagner sous ban Yon Montankou Martin Expérience qui capable faire travail là tout. Martin Expérience qui capable de jouer comme doublure de Alex Christian Junior. Est-ce que jodi an la au cas où Alex Christian Junior t'a failli ou bien il t'a bay même performance devant équipe Mexique là, est-ce que a bien possibilité pour Martin Expérience li là, nous pas connaît, mais fon dit tout régie parmi 23 moun que sélectionneur là li gagné nan men li, eh bien li jouer il est en jeu à 17 là d'ailleurs. Parmi 23 moun yo, nous pral essayer garder, nous pral garder au très rapide. Et parmi 23 moun entraîneur Calderon li même li gagné yo, li joué avec 17. 6 moun que le pas joué c'est JP Simonsen, Jimmy Ben Alexi, nous t'ai Jimmy Ben Alexi devant Qatar, il t'a pas monter li et finalement il pas il était li pas et monté. N'a dit que c'est JP Simonsen, Jimmy Ben Alexi, Leverton Pierre Josué Duverger qui c'est gardien, Steven Séance qui pas joué et puis Mondi Pounier, dans l'ensemble c'est 7. Mondi Pounier et puis Garissonnet Innocent, troisième ou bien est-ce que c'est troisième ou bien est-ce que c'est lui-même qui deuxième gardien par on est. Donc c'est Mounsao que entraîneur là Calderon, 7 Mounsao qui pas joué. Donc Calderon dans 23 Mounsao déjà joué avec 16 joueurs là dedans. Les 16 joueurs c'est Alexandre, 11 moun nouvel en premier, c'est 11 titulaires. Alexandre Pierre, Alex Christian Junior, Gavin Metoussala, Ricardo Adé, Arcus Carlens, Danley Jean-Jacques, Calfred Sainté, titulaire indiscutable, Kaneji Antoine, Dukens Nazon, Derek Etienne et puis Franck Pierrot. Ça c'est 11 moun qui titulaire aujourd'hui. Et puis l'autre moun qui jouait déjà pendant le Gold Cup, c'est Will Donald Guerrier qui joue déjà. Gagnant Hayo Jean qui joue déjà, Fabrice Pico, Steven Saba et puis Brian Alceus. C'est 16 Mounsao qui déjà joué pendant Gold Cup pour sélectionneur là. Et il y a 7 qui peuvent démarrer en attendant. Rappelez le numéro de téléphone pour Mounsao. Numéro de téléphone là, c'est 438 728 22 24. 438 728 22 24. Vous pouvez appeler direct, vous pouvez appeler sur WhatsApp. Son plaisir. Pour nous prendre. Et si vous n'avez pas une minute, tout, faites-nous connaître. 438, 728, 2224. Mais Wilkie, il y a à peine sauté la gueule en bas live. 438, 728, 2224. On met tapé pour capable rentrer. Pour bah, disons, pas oublier l'heure, on a avancé. Et tu as supposé commencer dans. Matcha, tu as supposé commencer dans 6 minutes. Alors, non. 6, c'est 11 minutes encore, Matcha a commencé. Dans 11 minutes, Haïti, Honduras, tu as supposé commencer. Nous sommes capables de mettre plus un devant le numéro ça pour nous capables de rentrer par WhatsApp si jamais vous êtes en Haïti ou bien dans l'autre pays qui n'est pas Canada. Exactement. Donc mettez plus un. 438 728
22-24 pour capable parler ensemble avec nous. Ouais, et puis nous profiter occasion pour nous saluer Élie Noël qui sont fans inconditionnels, Patrick Fleurinet du Parti le socialiste, Jean-Bernard Georges qui fait partie de l'équipe sportive Radio Télévision Connexion 1. Nous avons salué Jameson Précil qui c'est un camarade ça fait longtemps. Donc nous t'es non seulement dans la faculté de droit ensemble mais nous t'es gain chance travail dans un gros projet qui tape en fait géré par Siat en Haïti, monsieur Kimba live là. Nous retirer chapeau nous bien bas, nous saluer et Jameson Précil et nous profiter occasion pour nous saluer promotion 2011-2015 de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. 438-728-2224, c'est sous numéro 100 capable de rentrer. Asle Guillaume, où étais-tu passé, mon ami frère? Donc, Zamio, donc nous capables de briller pour nous faire impression, nous, sous match Haïti pour aller jouer contre Honduras là, songez samedi, nous avons un résultat qui est plus important. Je dis assez gagné pour nous gagner Honduras pour ne pas aller chercher calcul, aller regarder qui ça, Mexique fait à Qatar. Mon bon ami déjà, qui était un drapeau Haïti à l'écran, mais son. Parce que là, l'important, important. Mon bon ami Cabriel est là. Allô, comment nous sommes? Oui, allô. Oui, allô. Baissez volume récepteur. Tendez nous dans le téléphone national. Exactement. Je vous mets parler, Frem. Comment est le match Haïti Honduras là? Qu'est-ce qu'il y a pour nous là? Bon, juste moi-même, c'est pour Haïti. C'est Haïti. J'avais dit que normalement, Haïti a pas la qualité, la bataille. Ok, Haïti a battu 2-1 selon Zami. Ça, merci en pile. Mon bon ami depuis New York, que nous allons prendre. Combien de matchs Haïti Honduras a fini là? Haïti a battu 2-0, oui, normalement. Koto a coûté nous? Nous perdons Zami ça. Allô? Allô? Bon, nous perdons des amis ça. C'est aux amis du côté de Canada. Nous avons l'autre ami rapide. Allô, qui compte suivre nous? Baissez volume récepteur. Allô? Baissez volume récepteur. Oui, oui, qui compte suivre nous? Montréal. Montréal, combien de matchs Haïti on dirait ça fini? Haïti a battu 2-0. Merci beaucoup participation. Bon, donc nous avons gardé n'a tant de pression zanmi ou la maison. Nous avons l'autre zanmi vite. Allô, qui est-ce que tu branché? Oui, allô. Allô, qui est-ce que tu branché radio? Canada, Montréal. Montréal, Canada. Combien match Haïti on dirait ça fini? 2-0. En faveur Haïti ou Honduras? Haïti. Merci beaucoup participation. Merci. N'a demandé avec auditeur yo bien téléspectateur pour tendez nous dans téléphone là pas tendez nous sur Facebook là. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, qui compte sur quoi écouter nous? Ah, m'a côté nous de la Guyane en fait. La Guyane, combien match Haïti Honduras a fini? On pense n'a pas 3-1. N'a pas 3-1. Merci pour participation. On y aurait l'été soif ça, oui. Allô, Radio-Télévision Connexion, bonsoir. Qui compte à suivre nous? Bonsoir. Alors, monsieur, maintenant, dis-nous les billets d'Etats-Unis. Ok, merci en pile. Comment est-ce que la radio à Etats-Unis, man? Bon, tout va bien, là, c'est là. Tout va bien, là, c'est là. Excellent. Combien de matchs a fini? Bon, match à son match, il y a deux battes de AG. Mais, nous partons de la sous-estime en place, que nous habitons de faire parce que nous habitons de battre, nous ne partons de la sous-estime. Au moins, nous sommes campés, jouer football, gérer mis dans le terrain et puis nous battre. Bon bagay, merci en pile pour participation. Merci pour Moussao. Bon bagay, en forme. C'est dernier monde que nous avons reçu, voilà. Donc, allô? Oui, allô, bonsoir. Zone de réception, s'il vous plaît. Valéphile. Valéphile, bon bagaille. Comment on se voit radio à Valéphile? 7-7. Excellent. Combien match a très fini? Très clair. Combien match a fini? 2-1 Haïti a battu. Bon bagaille, merci en pile. D'accord. Nous sommes dans l'autre ami là, donc depuis Canada. Et, allô?
Bon, nous allons dire mes ça. J'espère que nous avons un dernier. Nous allons prendre un dernier. Oui, depuis nous avons un dernier, nous allons prendre. Bon. Tout disant mes ça, c'est nous-mêmes qui dernier, mais il est allé. Et si nous avons un fil d'abord. Allô? Oui, oui. Zone de réception, s'il vous plaît. Oui, Haïti, 3-0. Bon bagaille, merci en pile de participation. Merci en pile de participation. Ouais. En forme. Bon, bon mesdames, messieurs, nous allons excuser nous pour un problème technique. Nous allons couper live ça. Sac pour abonner, courir abonner pour nous recevoir l'image là. Non, justement, match. Et parce que nous allons obliger de couper l'image là pour un problème technique posé par Facebook. Nous allons tourner tout de suite pour image, pour nous porter l'image là pour vous. Match là, justement, nous avons l'image là devant nous là. Justement, nous sommes capables même pas de aperçu légèrement. Donc, nous avons l'image, mais nous ne sommes pas capables de rester en pile. Donc, image yo, déjà là, pas fatigué nous. Nous avons l'image là pour nous. Abonnez rapide pour que nous soyons capables de recevoir l'image tout à l'heure comme ça.